Le restaurant glacier La Casa Glace, le Roi Mongin et le restaurant Bleu Océan vous présentent Concept d'Art. Bonjour, comment ça va? Eh bien, écoute, c'est un plaisir pour moi de te et moi retrouver. Donc. Et moi donc? Et non, ça va très bien. Très bien, très belle journée. Et en plus, aujourd'hui, pour moi, c'est du bonheur car je suis avec mes jeunes et dans un cadre magnifique. Alors, on se trouve où justement ici? Alors, nous sommes au restaurant Paikoko qui se trouve à Sainte-Anne. Un restaurant qui monte parce qu'ils ont un très bon chef. Très beau cadre et puis une équipe apparemment très dynamique hein, et que je tenais justement à mettre un petit peu en avant avec mes jeunes parce que... Alors quand tu parles de tes jeunes, c'est bien beau, je n'arrête pas de t'entendre dire ah oui, tes jeunes. Quelle est ta fonction, chef Martineau? Alors, ben, comme tu dis, chef Martineau, je suis, comme je dis toujours, avant tout chef de cuisine et à mon art, j'ai rajouté la partie formation. Qui fait que depuis quelques années, je travaille en étant formateur au CFA de Rivière-Salée. Comment ça se déroule? Très bien. Alors, je m'occupe de deux sections. Je m'occupe des sections Bac Pro et des sections BTS. Bac Pro, ce sont des jeunes qui ont déjà eu leur CAP. Et après, je fais avec eux un travail de niveau, enfin, parce qu'ils doivent sortir avec leur bac à un niveau à peu près chef de partie. Et ensuite, BTS, pour qu'on aille un peu plus loin, parce que ce sont des futurs cadres de la Martinique. Hein, ils seront soit chefs, soit responsables dans une entreprise. Voilà, je leur apporte un petit peu mon expérience. Et puis, bien entendu, il y a le référentiel que nous sommes obligés de respecter. Alors, tout cela réuni, j'essaye de leur mettre le pied à l'étrier. Ce n'est pas moi qui vais faire d'eux ce qu'ils seront demain, mais déjà leur permettre de prendre conscience de ce qu'ils sont, de ce qu'ils peuvent, vers où ils peuvent aller, et puis réussir. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons nous retrouver dans les cuisines du chef Birba que tu as toi-même formé. Tout à fait. Qu'est-ce que ça te fait? Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de voir, alors je dirais dans chaque promotion, nous avons toujours un jeune qui poursuit. Mais bien avant moi, il y en a qui l'ont fait. Hein. Pour ne pas le citer, le chef Marcel Ravin est issu aussi du... Alors, ce n'est pas moi qui ai eu le plaisir. Enfin, bon, j'étais pas en Martinique déjà. Mais il a été formé par des formateurs du CFA de Rivière-Salée. Et nous avons d'autres jeunes qui sont sortis depuis. Bon, la nouvelle génération, on va dire, Sébastien Birba et bien d'autres qui sont aujourd'hui de jeunes chefs qui officient, qui font avancer la gastronomie martiniquaise, ça me fait plaisir. Quels sont les autres chefs dont on entend parler que tu as formé? Alors, je te dis, il y en a un, parce que je l'ai rencontré hier. Il y a le restaurant Oda, au François. Bon, il y a le père, Oda, qui a institué le restaurant, mais il y a aussi son fils aujourd'hui qui prend la relève. Et c'est un plaisir pour moi de le voir, de voir comment il assure la relève de ce restaurant qui, aujourd'hui, au François est devenu une référence et que beaucoup en Martinique connaissent. À Diamant-les-Bains, il y a un jeune chef là qui est en train de... Bon,
qui est en train de qui vient du CFA, qui est en train de grandir. Il y en a pas mal. Il y en a quelques-uns là. Bon, les noms ne me viennent pas. Il y en a, ils sont tellement nombreux. Alors, comme ils m'appellent tout chef, je les appelle tout chef, ce qui fait que parfois je ne retiens pas toujours les prénoms. Les prénoms. Mais bon, je sais, après, il y a des liens qui se font assez facilement. L'alternance est-il le meilleur moyen de donner sens à ses études, selon toi? Je pense qu'il y a les deux. Je ne veux pas dire que c'est le meilleur moyen. Mm-hmm. Tout dépend de l'individu. Il y a des jeunes qui sont dans l'enseignement général et qui peuvent être très bons parce qu'ils sont formés dans ce sens. Et puis, il y en a d'autres qui aiment bien ce côté actif, c'est-à-dire d'être en entreprise et aussi d'être en formation, aussi de complément de formation CFA. Comme je leur dis, le plus souvent, c'est l'alternance, c'est 60% de l'entreprise et 40% au CFA. Parce que c'est dans l'entreprise où on apprend le plus. Et au CFA, on est là pour corriger, pour apporter la partie technique, la partie enseignement général, la partie savoir-être. Mais justement, que dirais-tu à un jeune qui hésite entre la filière alternance et les études, on va dire, dans le général? Si c'est un jeune qui a des difficultés d'être assis tout le temps, de lire, d'apprendre, ça le gave d'aller en cours, qu'il s'ennuie en cours, je lui dirais, essaie l'alternance. D'accord. Peut-être que le fait d'être en alternance, tu seras en entreprise, tu seras actif. Et quand tu seras en enseignement général, tu pourras plus facilement peut-être te concentrer, tu pourras mieux comprendre pourquoi il te faut parler l'anglais, comprendre les maths, comprendre le français et aussi comprendre la technologie de la cuisine, comprendre un certain nombre de choses. Une solution. Voilà, ça peut être une solution. Et ça, c'est ça l'avantage de l'alternance. Parce que bon, en cuisine, il faut savoir peser, il faut savoir calculer. Parler anglais, il y a des clients. Voilà, oui, tout à fait. Voilà, il y a tout ça, on va retrouver ça. On jongle. On va jongler avec l'enseignement général. Tandis que quand celui qui est qu'en enseignement général, qui n'est pas... S'il est très bon, très bien, il peut continuer en enseignement général. Mais s'il a des difficultés, moi, je lui recommanderais aussi bien dans tous les autres secteurs d'activité, que ce soit la mécanique, la coiffure, l'esthétique ou autre. Ce que nous faisons aussi au CFA de Rivière Salée. Au CFA de Rivière Salée. Voilà. Quelle est, selon toi, la différence entre le savoir-être et le savoir-faire? Y a-t-il une réelle différence? Réelle différence? Savoir-être, c'est une partie de l'éducation. C'est une partie de l'éducation qui a été donnée par les parents ou autres. Et le savoir-faire, c'est ce qu'on a décidé d'entreprendre et qu'on veut bien faire. Alors, aujourd'hui, au CFA, nous sommes confrontés à devoir faire les deux. Apporter le savoir-être et apporter le savoir-faire. Parce que nous nous rendons compte que nous avons des jeunes qui arrivent, qui ont de milieux différents, avec des problématiques, avec des... Et alors, au départ, il y a un choc qui se fait parce que tu m'étonnes. On est obligé de les faire comprendre qu'il y a des règles. Et puis, nous, avec notre expérience, et puis à une manière de leur parler, de savoir pointer le point là où ça va peut-être faire mal, et puis les amener à comprendre. Et il y a un lien qui se tisse entre le formateur et ce jeune. Alors, bien entendu, on est obligé de garder, comment on pourrait dire ça, une certaine distance, mais ce jeune a souvent entend ce qu'on lui dit. Et parce qu'on va le lui dire différemment, on va lui apporter des éléments et puis il y aura d'autres jeunes autour de lui. Le jeune qui est en difficulté, que j'emmène aujourd'hui ici, demain, il va sortir de là avec... il aura compris le sens de la démarche. Et c'est dans ce sens-là que nous allons vers le savoir-faire et aussi un petit peu le savoir-être. Aujourd'hui, tu te déplaces, on vient dans un restaurant, tu dois être correctement habillé, correctement coiffé, correctement ceci. Si tu te présentes au départ du CFA en n'ayant pas une tenue correcte, je ne t'emmène pas. Alors, comme ils ont envie de venir, il fait que ça va... Et c'est ainsi qu'on arrive avec les jeunes. Alors, je dis les jeunes parce qu'on les a parfois jusqu'à 25 ans. Et parfois, jusqu'à 25 ans, il y en a qui n'ont pas compris certains principes de fonctionnement du savoir-être. Et... Voilà, c'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont en cuisine, dans la cuisine donc, du chef Birba. Mais quels sont les préceptes pour, justement, prendre un apprenti? Première chose,
les jeunes qui sont aujourd'hui dans la cuisine du chef Birba, alors c'est un, comment on pourrait dire ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé. Ils ont ce qu'on appelle un chef-d'œuvre à réaliser. Ce chef-d'œuvre, ça fait partie de leur référentiel, hein, réaliser quelque chose que vous n'aurez jamais réalisé tout seul ou dans votre vie. Bon, voilà, c'est ça. Voilà. Je leur ai dit, voilà, qu'est-ce qu'on voulait faire? Une recette, quelque chose, machin. Ah, ils ont choisi. Et ils ont, voilà. Mais après, je les ai orientés vers plusieurs choses. Ils se sont dit, mais pourquoi ne pas aller travailler dans un restaurant avec un autre chef? Parce que c'est sûr, travailler tout le temps avec M. Martinon. voilà, parfois, ils ont envie de changer. Je comprends. Hein. Alors, je leur ai dit, voilà. Et puis, de là est née l'idée. J'ai rencontré Sébastien, on en a discuté. Il m'a dit, oui, très bien pour l'idée. Ça l'a plu. Et nous avons mis en place cela par plusieurs rencontres. Il est venu au CFA, il a rencontré les jeunes, discuté avec eux, et ils ont réalisé, mis en place le menu. Qui fait qu'on se retrouve ici aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on se retrouve ici, là, dans le cadre du chef-d'œuvre, mais ce qui était important, c'était de dire, les jeunes, ils viennent travailler dans un restaurant pour dire, ouais, ben, ils ont travaillé pour le restaurant Paille Coco, et puis voilà, l'argent qu'ils ont fait, machin. Non. Avec le restaurant Paille Coco, on s'est dit, pourquoi le travail qu'ont réalisé ces jeunes ne soit pas reversé à une association caritative? Et aujourd'hui, les menus qui seront vendus, je parle des menus qui seront vendus, seront, enfin une partie, puisqu'il faudra quand même retirer les frais d'achat de marchandises, normalement, la partie qui restera sera reversée à l'association Sous Optimiste du Sud. Ça rentre bien dans le cadre de la violence faite aux femmes et ils ont tous été sensibilisés par ça. Ta question était comment devenir un apprenti. Un apprenti est un jeune hein, qui décide d'être cuisinier, pâtissier. Pas devenir un apprenti, ma question était celle-ci. Comment recrute-t-on un apprenti? Comment recrute-t-on? Le plus souvent, la démarche se fait par le jeune. Un patron peut dire, ouais, je veux un apprenti, mais il faut qu'il trouve le jeune. S'il trouve un jeune qui est intéressé, à ce moment-là, ce jeune vient s'inscrire. Il vient d'abord à la chambre des métiers, il retire son dossier. Avec son dossier, il fait signer son dossier par le patron. C'est un contrat entre lui et le patron. D'accord. Le patron lui assure la formation que tu puisses aller à l'école. Est-ce facile de trouver les... Alors, il y a quelques mois, c'était très compliqué. Et aujourd'hui, tout le monde en cherche. Ah. Parce qu'il y a eu un renouvellement dans la société par rapport à tout ce qu'on sait. Ouais. Aujourd'hui, les entreprises sont en manque de personnel. Les entreprises ont tellement de difficultés à pouvoir aller dans l'avant dans leur souhait d'évoluer qu'aujourd'hui, ils ont besoin de main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre est souvent l'apprentissage. Chef Martinon, qu'attends-tu de cette journée? Alors, déjà que ça se passe bien, que le restaurant Paille Coco soit content de cette expérience et qu'on puisse pouvoir la renouveler par la suite. Je sais pas, je verrai comment les jeunes ils vont manifester hein, leur retour, leur ressenti. Mais déjà ce matin, déjà dès 6h, il y en a qui m'attendaient déjà devant le CFA. Parce que voilà, j'ai senti une certaine... Un engouement pour cette journée. Ils étaient tous contents d'être accueillis par le chef Birba. Non, comme je dis souvent, ce sont des petits déclics parfois qui font basculer certaines choses. Là, aujourd'hui, ils vont tous... au mois de juin, ils vont tous à l'examen. Et... Alors, je me bats avec eux pour leur dossier, pour ceci, pour cela. Et je me dis ça peut être l'élément qui va contribuer à les faire réussir leur examen. Alors, une dernière question avant d'aller en cuisine. Chef, quand est-ce que tu retournes en cuisine? Mais je suis tout le temps en cuisine. Mm-hmm. Quand je suis avec mes apprentis, je suis en cuisine. Il faudra l'un de ces quatre venir aussi au CFA, voir ce que nous faisons, aussi bien en cuisine, en pâtisserie, en boulangerie. Nous avons toutes ces activités. Et puis, à titre personnel, j'interviens parce que j'ai ma société de consulting. J'interviens quand j'ai des sollicitations. Et puis... j'ai quelques petits projets, nous en aurons le temps d'en parler. on va en cuisine. Aujourd'hui, dans le concept d'art,
toujours un grand plaisir d'avoir à mes côtés Sébastien Birba, qui est chef de cuisine au restaurant Pas et Coco. Bonjour Sébastien. Bonjour. Tu y es depuis combien d'années? Alors ça fait maintenant 3 ans. Comment tu t'y sens? Alors je me sens bien parce que c'est une entreprise qui est dans une démarche de production, une démarche aussi de réussite, de qualité. Et franchement, jusqu'à maintenant, je me fais plaisir ici. Alors aujourd'hui, on va parler de chef d'œuvre, oui, qui est donc une action menée, oui, avec toi, oui, et le chef, oui, Martineau. Oui. Alors, qu'est-ce que chef d'œuvre? Oui. Alors le chef d'œuvre, c'est une expérience que les élèves doivent réaliser, une expérience qui va leur permettre de découvrir la cuisine sous différentes facettes. C'est quelque chose qui va leur servir aussi pour leur examen. C'est quelque chose de noté. Oh, et c'est aussi, comment dire, une communication, un échange humain avant tout. Qu'avez-vous prévu justement au menu? Alors aujourd'hui, nous aurons les produits du terroir, les produits de la terre martiniquaise. On pourra retrouver le tinin, la patate douce. On pourra retrouver aussi les produits de la mer tels que le lambi, le marlin, la dorade. Et au niveau des produits de prairie, on pourra retrouver le porc. Le porc qui est un animal particulier au niveau de la Martinique. Est-ce que ces élèves vont dresser un dessert? Un dessert, oui, tout à fait. Ils vont dresser un dessert puisque nous avons également un chef pâtissier. Alors je tiens à préciser que dans cette brigade, dans la brigade que j'ai mis en place, oui, nous avons 3 personnes qui sont du CFA, comme ces jeunes. Nous sommes des anciens élèves à M. Martineau. Alors, M. Martineau, quand il parle de toi, il est très, très, très fier et il dit « J'espère à tout va que ce jeune homme va pouvoir ouvrir son restaurant. » C'est le cas? Alors, c'est le cas dans un avenir proche et en même temps dans un avenir lointain. C'est déjà pas mal. Si tu devais recommencer à zéro, oui, est-ce que tu le ferais? Est-ce que tu ferais un choix autre que celui-ci? Alors, un choix autre que la cuisine? Je dirais pas forcément, mais si je devais recommencer, oui, je le ferais. Parce que l'état d'esprit de maintenant n'est pas l'état d'esprit d'avant. Ah non, il faut que tu en dises un petit peu plus. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, vous savez, on est plus scolaire, on est plus vers l'école, essayer d'avoir des bonnes notes, essayer d'avoir un bulletin raisonnable. Oui, tout à fait. Et on n'est pas encore ancré dans la passion, dans la dynamique et l'envie d'apporter du bonheur aux gens. Aujourd'hui, ça fait 3 ans. Oui. Donc, tu te sens comment? Alors aujourd'hui... Quand quelqu'un dîne, déjeune ici, oui, oui, la satisfaction, oui, que tu lis sur leur visage, tu te sens bien, Oui, je me sens bien parce que y a un travail qui est effectué pour qu'on ait une telle réussite au niveau des avis, au niveau des commentaires. C'est une rigueur que l'entreprise se met. Et pour ça, ben, nous sommes ravis de voir les sourires sur les visages et les bons commentaires. Alors, tu parles de noter ses élèves. C'est toi, oui, qui les notes ou c'est le chef Martineau? C'est le chef Martineau. D'accord, mais tu, voilà, donnes quand même un avis. Oui, je donne quand même un avis. Parmi ces élèves, as-tu, oui, remarqué 2 ou 3 qui sortent du lot? Alors, il y en a 2 ou 3 qui sortent du lot, mais je trouve qu'ils forment un bon groupe ensemble et qu'ils sont assez soudés. Alors justement, est-ce que c'est possible dans un avenir lointain, oui, pour eux, parce qu'ils sont toujours en classe, oui, en cours, hein, oui, justement ce petit noyau qu'il a aujourd'hui, oui, de former une équipe et, oui, de créer un propre restaurant? Oui, oui, c'est possible, c'est possible. Il faut un peu de motivation, il faut un peu d'envie et il faut aussi surtout beaucoup d'humilité. Quel est le cliché sur la restauration qui t'énerve le plus? Il doit y avoir un cliché qui doit t'énerver. Alors le cliché qui pourrait m'énerver le plus, ça serait, pour être honnête avec vous et franc, ça serait les comportements des clients vis-à-vis de personnes qui sont également au travail, mais qui sont à leur service. D'accord. C'est-à-dire avoir un respect au niveau des heures de fermeture, d'ouverture, avoir du respect quand, par exemple, le restaurant a décidé de ne pas orienter sa cuisine vers une cuisine que le client préfère. D'accord. Et qu'on décide de faire le client justement découvrir une cuisine que nous on a mis en place. Est-ce que les gens ils rechignent à être servis justement à la carte proposée? Non, pas vraiment, ça n'arrive pas ici. Ce sont des choses qui se sont déjà produites, mm-hmm, mais avec le travail des équipes qui sont mises en place, que ce soit en salle ou en cuisine, avec aussi notre direction, c'est des choses qui ne se reproduisent plus et qui sont amenées à ne plus se reproduire. Quelle vérité voudrais-tu que les gens découvre par rapport à ton métier, Sébastien? Okay. Alors, c'est un métier de passionné, c'est un métier d'amour, de transmission, c'est un métier d'écoute, c'est un métier d'appréciation et c'est un métier où est-ce qu'on transmet ce qu'on vit tous les jours à travers un plat.
ce métier aussi où est-ce qu'on peut faire des gens qui sont arrivés tristes, partir au joyeux. Oh. Et voilà, nous sommes là pour ça. On connaît, comme je dis souvent à mon équipe, nous sommes tous en mission. Et moi, je suis en mission à Païcoco. Et une fois que la mission sera terminée, ben voilà, elle sera finie. Quelle est la mission que tu préfères donc, justement ? Donner de la joie aux gens, faire du restaurant dans lequel j'exerce une table d'hôte où les gens sont contents de venir manger ici et aussi satisfaire tous mes collègues, satisfaire les responsables et faire de Païcoco vraiment une cuisine semi-gastro comme nous l'avons commencé. Je pense que tu as eu un bon professeur en la personne de monsieur Martignon. En tout cas, je te remercie. Merci beaucoup. Okay, merci à vous. L'apprenti Terry Narabel est la référente de l'équipe auprès du chef Birba pour la réalisation de cette manifestation. Arabelle, bien le bonjour. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va. Comment se déroule cette journée ? Est-ce que tu étais, on va dire, hier soir, quand tu t'es couché, tu t'es dit que ça va être superbe, que tu vas passer une très bonne journée concernant la journée du jour ? Oui, on avait déjà fait la rencontre du chef Birba. Tu le trouves comment ? Bah, il est super, hein. La manière dont il gère son équipe, il fonctionne. Est-ce que justement demain tu voudrais faire comme le chef Birba, avoir ta propre brigade ? Bien sûr, je pense que tout chef rêve de mener son équipe. D'accord. Est-ce que tu penses avoir fait le bon choix ? Oui. Pourquoi ? Parce que depuis petite, ce métier me passionne. Alors, qu'est-ce qui cuisine à la maison ? C'est maman, c'est papa, c'est qui ? C'est plus maman et moi. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes à faire avec ta mère en cuisine ? Je dirais plus de coco vin. D'accord. Et les desserts ? Parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est toi qui t'occupes du dessert. Donc, tu fais quoi aujourd'hui comme dessert ? Alors, aujourd'hui... Il est prévu un dessert à base de mousse au chocolat. Mmh, ça, c'est super bon. Du mousse au chocolat, de crème de pistache et de crumble au chocolat. Oh là là, le crumble au chocolat. J'en salive déjà à l'avance. En tout cas, mes félicitations. Je vais te le dire. Je suis tombée sur un bon chef, je parle du chef Martignon, un bon professeur. Mais le chef Birba aujourd'hui a aussi le mérite d'être un bon chef parce qu'il a été très bien formé. Oui, surtout par monsieur Martignon. Donc tu es bien parti aussi. J'espère goûter ton dessert aussi, ou tout. Merci beaucoup. Alors,